Et bonjour Twitch. Hop, caméra. Non. Alors aujourd'hui, on continue le jeu d'horreur Song of Horror que j'avais commencé samedi dernier. On avait joué quoi, 1 heure? 45 minutes, je crois, je sais plus. Parce qu'on avait terminé Resident Evil 0, on avait essayé White Day, qui était pas terrible. Enfin, qui buguait, donc... Alors apparemment, le jeu, il buguait qu'en mode facile, malheureusement. C'est à se demander pourquoi ils ont mis un mode facile. Parce qu'apparemment, en mode normal et difficile, le jeu ne bug pas. Je verrai peut-être pour le faire plus tard. Mais on avait bien accroché sur Song of Horror, qui était très intéressant. Salut Jess, comment vas-tu? Hop. Alors, va falloir que je me remette un petit peu dans le bain. J'ai vraiment oublié comment on jouait. Ça va, un peu mal au crâne, mais ça va. C'est le vent. Le vent, ça me fait toujours... ça me pèse sur le... Ça me fait mal au crâne, le vent. Il y a beaucoup de vent. Au moins, il fait frais. Au moins, cet après-midi, il fait frais. C'est agréable. Enfin, de la fraîcheur. J'imagine que vers chez toi, là-haut, il doit pas faire chaud, par contre, non? Alors, on va continuer les... Continuons. Hein. degrés, ça va. Oh, c'est bien 13 degrés. Il fait 20 là à Nîmes actuellement. On est passé de 30 hier à 20 aujourd'hui. Je pensais que tu passerais jeudi. Qu'on a joué à... On a joué à quoi jeudi? On faisait le code de la route. Ah oui, oui, c'est vrai, il y avait le truc des disjoncteurs, là. L'énigme des disjoncteurs. Attends, il va falloir que je comprenne comment ça fonctionne. Qu'est-ce que les développeurs ont voulu nous faire comprendre dans ce jeu? Est-ce que... En fait, je suis tellement à suivre les matchs de foot qu'à 22h20, je me suis dit, merde, le live de Mika... ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs en ce moment. C'est vrai, j'avais oublié ça, ouais. Non, mais c'est pas grave. Bon, c'est Mag, elle s'est un petit peu sentie... Il y avait que Mag. Franchement, sur le chat, jeudi, il y avait que Mag, c'était presque déprimant. Même Tiziano qui voulait qu'on fasse un truc sur le... Sur le code de la route, il est pas venu. La meilleure. Je lui passe un peu de pommade. Ouais, par contre, aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle serait... Alors, elle m'a dit qu'elle viendrait peut-être plus tard. Et qu'elle serait pas là au début, en tout cas. Alors j'ai un truc de 25, de 20, de 10, 15, 20 et 25. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? D'un côté, il y a vert, bleu, rouge. Il y en a un qui a jaune et vert. Et le dernier qui a vert et rouge. Est-ce que celui qui a les 3, c'est celui qui doit faire 50? J'arrive pas trop à... J'imagine que celui qui a les 3 fils, c'est 50. De toute façon, c'est le plus gros.
S'ils doivent faire 50, 50, ça serait 25. Et pas forcément. Comment je fais 50? Si je fais 25 et 15, ça fait 30 et 10. Donc attends, je vais dire que le 25, il est là. Attends. Le 25, c'est... Si, le 25... Si, c'est pas... Est-ce que ça serait le bleu? Pas forcément. Je vais mettre le 25 là. 25 plus 15 plus 20. Oui, c'est ça. Donc. Il me reste rouge et vert. Donc le rouge ou le vert, c'est... Ça fait 60. +15 +20, ça fait 40. Ah oui, ça fait 60 en effet, ouais. Oh putain, les mecs, ils sont nuls en maths, quoi. Donc ça peut pas être le 25. C'est 25, 15 et 10. Oui, 30, 40, 50. Si, donc c'est bien... Attends, le 25, je le mets là. Il y a le 10. Donc le 10 ou le 15... Le 15, ça serait soit le rouge, soit le bleu. Donc si le 15, c'est le rouge... Non, soit le rouge, soit le vert. Attends. Le 15, je vais le mettre là. Je le mets sur le rouge. Du coup, ça fait que le 10, c'est le vert. Et là, 10 plus 15, ça fait 25. Donc j'ai bien un 25. Et donc là, ici. Oh, ça marche! Ça marche pas? Ça avait l'air bien là pourtant. Les fusibles semblent fonctionnels. Les fusibles sont bons. Mais il doit y avoir un court-circuit quelque part. Bon après, à la base... À la base, je devais explorer l'étage, pas le sous-sol. Il s'agit du coffre dont Usher parle dans sa note, j'ai oublié. Ouais, il y avait cette histoire de code là. Wana veut ses croquettes. Ben là, elle a des croquettes. Elle a qu'à les manger. Du moment qu'elle court pas partout, ça va. J'entends rien. Mais c'est verrouillé de l'intérieur. C'était quoi déjà pour afficher la carte? Non, ça c'est la bougie. Ça, ça sert à rien. Ça, c'est l'inventaire. Ça, c'est les documents. Qu'est-ce qu'il a? La carte. Voilà, donc... je suis ici. You are here.
Bon. On va aller à l'étage. Et moi, ça ferait longtemps que je me serais barré que j'aurais appelé les flics. Mais bon... ces gens ne vivent jamais une vie comme les autres, hein, c'est bizarre. Il manque un tableau. D'après la marque sur le mur, il a été décroché depuis longtemps. Il n'a pas été décroché depuis longtemps. Mais c'est pas ce tableau-là. Un portrait de 1634, je connais ni l'artiste ni le sujet, moi non plus. Les rues sont si calmes. Ça a l'air dégagé. C'est fermé. Une photo en noir et blanc, une image de Catherine, l'épouse de Usher. Avec leur enfant, Julia et Saul. Ne regardez pas la photo. Ah. Trop tard. Ah putain. Elle a changé. C'est démoniaque. Le feu de joie doré de Usher. Ça a l'air safe. Il y a un gamin qui vient de passer, j'aime pas les gamins dans les trucs d'horreur, ça, ils font peur les gamins. Toutes sortes d'articles de toilette. Le miroir est quoi? Poussiéreux? Non, c'est juste une salle de bain, on s'en fiche, y'a rien là. Attends. Non? Non. Si, il y a un truc là. Voilà. Un torchon sale. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Cette porte, à mon avis, elle s'ouvre pas. D'où est-ce que ça vient? Je sais pas. Des figurines, des masques, une contrainte antenne. Si j'avais le temps, je continuerais de voyager comme avant. Voyons si je peux convaincre Amélia ou Bernard. Elle pense à ça, elle. Elle pense à ses prochaines vacances. Bureau. La télécommande de porte de garage. Huh. J'ai sursauté, enfoiré. Gardez cette table à l'esprit au cas où il faudrait une cachette. Ça veut dire qu'à un moment, je peux me faire poursuivre, il faut que je me cache quelque part. Du coup. Quelque chose bloque la serrure. Il s'agit peut-être d'une clé cassée. Essentiellement des masques africains, certains sont indiens, bien que ce soit pas mon domaine d'expertise. C'est pas le mien non plus.
Ah si, elle peut courir. En plus, la musique, elle est pas du tout oppressante, hein. Peu importe ce que je pense du projecteur, il me sera inutile tant que je ne pourrai pas l'allumer. Cette batterie est celle du projecteur. Et donc... de l'engrais. Joyeux anniversaire. Une pince à barbecue. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je ne sais pas. Cher Sébastien. Je voulais vous écrire personnellement pour vous informer que je vais prendre un peu de temps pour me reposer. La boutique sera donc fermée à partir de demain. Je voulais être celui qui vous en informe plutôt que de vous laisser découvrir le message sur notre porte. Ma fille est en voyage et je dois avouer que je ne peux tenir le rythme tout seul. Surtout à cause de mes récentes insomnies. Dès qu'elle reviendra, nous ouvrirons de nouveau. Soyez assurés que vous serez le premier alerté. J'espère que j'irai mieux d'ici là. Veuillez saluer chaleureusement votre famille de ma part, cordialement, Isaac Farber. What the devil? Mais barre-toi de cette maison! Appelle les flics! Pourtant, j'entends rien. Tu mets le feu à une porte. Tu mets le feu à une porte ou tu défonces une fenêtre. Mais surtout qu'elle peut se barrer, quoi. Elle est pas enfermée. Elle peut se barrer. Voici l'emplacement de l'échafaudage. Ériger un échafaudage, peindre l'extérieur, colmater des fuites, recoller les carreaux décollés, examiner les vieux tuyaux. C'est cool. Rien ne m'intéresse ici, juste un vieux tourne-disque. Le loquet a été retiré. Maintenant, j'entends du bruit. Après, apparemment, les trucs que j'ai déjà explorés, ça a l'air safe. Donc, on avait quoi? On a une porte bloquée. On a une batterie.
Ah, là où il y a des... on dirait des yeux barrés, ça doit être les caches. Les endroits où je peux me cacher. Et j'ai récupéré une porte de garage. Peut-être qu'il faut que je ressorte et que j'aille au garage alors. Parce que ouais, les zones que j'ai déjà visitées, ça me dit pas... WC, on s'en fiche, non, c'était pas les WC. Ça me dit pas, voulez-vous réécouter Mais je... Ok. Faudra faire venir un plombier, hein. Je crois qu'il y avait un pauvre chien derrière et je sais pas. Appuyez sur le bouton de gauche. Non, ça c'est la chaudière, on s'en fiche de la chaudière. Oh, attends. Bougie. Pourquoi j'ai des bougies? Inventaire, télécommande, utiliser. Je dois arrêter. Ah ben oui, je dois d'abord remettre le jus. J'imagine qu'il faut qu'il y ait un truc que j'ai raté au garage alors. Enfin au sous-sol. On va redescendre. À la bonne porte. Ces plans comme ça, ça fait peur. Quand tu sais pas ce qu'il y a devant là. Après, le courju, il peut être n'importe où. Ça marche pas, il y a un mauvais contact quelque part. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Où est-ce qu'il peut y avoir un mauvais contact? Après, il y a une zone que j'ai pas explorée. C'est dans la cuisine. Ah oui, il y a l'engrenage dans la cuisine. Bon, on va essayer de retourner. La cuisine, c'est là où on avait trouvé le monstre la première fois, là. Hein. C'est... donc c'est le dernier endroit où j'ai envie d'aller. C'est là où on avait vu les mains derrière les portes, si tu te souviens.
pas l'air d'avoir de bruit. La porte est fermée. Ah, c'est là le fameux courju. L'eau est déversée depuis le bas de l'évier, il y a un fil juste là. Peut-être qu'il faut que j'utilise le torchon là pour éponger l'eau. Utiliser. Yes. Ça va, c'était logique. Pour le moment, jusqu'à présent, parce que des fois dans les point and click, t'as toujours des assemblages un peu bizarres. Là, ça reste logique. Hein. Ça parle d'une planque là. Non? J'ai pas vu de planque moi. Ah si, dans l'armoire peut-être. Peut-être ça la planque. Ouais. Ah. Daniel, if you're here, I'm going to find you. On en revient au point de départ. Oui, j'ai vu une main. Dans l'armoire. Je déteste ce jeu. J'ai trop peur. J'aimerais bien l'ouvrir ce machin là, mais... Information. Le numéro de l'adresse, l'âge de Saul, la décennie et l'année à laquelle la toile accrochée à l'étage juste à côté des escaliers a été peinte. Est-ce que je les ai déjà toutes ces informations ? Sol, il a 7 ans. Faudrait que je le note quelque part. Alors. Bloc-note. Bloc-note. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, Sol, il a 7 ans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Il y avait l'adresse. La lettre, la photo. La décennie et l'année à laquelle la toile accrochée à l'étage, juste à côté des escaliers. La toile accrochée, ça doit être celle qui a disparu, justement. Donc, je dois pas la voir. Hein. Bon. Alors, ce que je sais, c'est qu'on a remis le jus, donc on devrait pouvoir ouvrir le garage. Et aussi allumer la chaudière.
C'est pas un plombier qu'il faut là. C'est pire que ça. La chaudière est en état de marche. Je vois des fuites partout et de nombreux endroits humides. Saleté de radio. Tu rases la baraque carrément. De l'eau dégouline sur le coffret électrique, je dois faire quelque chose. On arrête la chaudière alors. Appuyez sur le bouton de gauche. En cas de dysfonctionnement empêchant le bon fonctionnement de la chaudière, vous pourrez procéder à l'arrêt d'urgence en maintenant le bouton bleu enfoncé pendant 4 secondes. Le bouton bleu. Il y avait un bouton bleu là. Parfait. Des pinces de batterie. Ah, ça doit être pour la pour le projecteur, ça peut être. Ah, t'enjambes le portillon là et tu te barres chez toi. Tu t'en fous de Daniel. Il a disparu, c'est un boulot pour les flics, c'est pas un boulot pour quelqu'un comme toi. Chacun sa peau. Bah oui, ça rappelle l'été que j'ai passé avec Daniel à la maison de vacances, à la plage, sa tante et son oncle. Ça a l'air safe. Fermé à clé. Devrais-je essayer de prendre le dossier? Oui. Ah. C'est pas rassurant. Ouais, je peux pas l'inspecter. Pourquoi je peux pas l'inspecter? Ça sert à quoi? Combiner? Je le combine à quoi? Je sais pas. C'est mieux avec de la lumière, hein? Je l'avais pas lu celle-là? Une note de Catherine, la femme de Cher.
Mon cher Marie Excentrique, je t'ai laissé la clé du tiroir du haut de ton bureau dans la bibliothèque. Les enfants étaient très agités ces derniers temps, nous en sont dès ton retour. Il flotte. Ah, chez toi, il pleut? Ouais, quand tu disais la date du portrait en dos escalier, ça doit être celui-là qui est manquant. Oui, ah. La pluie, c'est moins bien déjà. Ça dépend des fois, mais... Quelque chose de terrible se rapproche. Vous devriez vous cacher avant qu'il ne soit trop tard. Regardez autour de vous et trouvez l'endroit où on ne vous détectera pas. Une fois que vous avez interagi avec une cachette, elle apparaîtra sur la carte avec le symbole suivant. Le temps presse pour courir maintenant LT. Attends, je vais boire un coup. Ouf, faut se déstresser là. Alors, vous avez réussi à vous cacher de l'obscurité. Mais le pire est à venir. Essayez de garder votre sang-froid. Pour vous calmer, suivez le rythme de votre cœur en appuyant sur LT plus RT en même temps. Lorsque la bordure blanche atteint le centre du cercle, ça veut dire quoi? Lorsque la bordure blanche atteint le centre. Donc dès que je suis au centre, je dois appuyer sur LT et RT en même temps, c'est ça? En rythme. Ne laissez pas votre cœur battre trop fort ou vous commencerez à paniquer, mais surtout, ne regardez pas la chose. Peu importe, barre-toi de cette maison, Fada. En plus, alors c'est pas en rythme, parce que forcément, comme c'est par rapport au rythme de son rythme cardiaque, le rythme il varie. Donc c'est pas. Il faut pas se synchroniser sur un rythme précis. En tout cas, c'était flippant. Je sais pas ce que c'était, je sais pas la chose que je ne dois pas regarder, mais c'était flippant. C'est la première réaction que t'as après ce qui vient de se passer. Cette poupée est merveilleuse. Un dessin réalisé par le Benjamin de Usher. Soul. Il y en a d'autres. Quel enfant dessine ce genre de choses? Il doit être marqué par quelque chose. Mais ça veut dire que l'obscurité, elle peut surgir n'importe quand, n'importe quel moment, même quand je suis au centre d'une pièce, par exemple. Il faut bien que je me souvienne où sont les cachettes. Il y a une énigme dans la salle de jeu, d'accord. Du coup, maintenant, elle a tendance à un peu plus courir. Utiliser.
Les pinces sont totalement inutiles. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire avec la batterie alors? Une boîte d'allumettes. J'ai essayé, mais bon. C'était stupide. Alors attends. Il y a la porte. Il y a la batterie. Il y a la serrure coincée dans la porte. Et là, il y a un puzzle dans la salle de jeu. Je devrais peut-être aller voir. On va y retourner. C'était là. Mais elle était fermée cette porte, je crois. Hein. Ah non. Des pinceaux, là, y a... Ils ont donc un grenier. Ah mais c'est la pince à barbecue ça, c'est pas les pinces. Je suis bête. Il y a un truc... Qu'est-ce que ça veut vouloir dire ça? Il y avait quelque chose là? Il y a un objet à utiliser à cet endroit là? Mais lequel? Si je trouvais des poupées, c'est là que je les mettrais. Donc il faut que je trouve des poupées d'abord. Oh, que ce jeu est angoissant. Il plonge bien dans l'ambiance, hein. Ah voilà. J'ai quand même confondu les pinces électriques avec la pince à barbecue. Je ferais mieux de pas toucher à ces fils. Ce projecteur est équipé de poignées, je pense que sa position peut être tournée. Ah, vers l'obscurité pour pointer la lumière. Oh putain, j'ai oublié d'écouter à la porte.
J'ai eu de la chance qu'il n'y avait rien derrière. Une clé. Marqué quoi dessus? Sacha? Acha? Masha. Ah, une horloge Félix Lecadge, j'en voulais une quand j'étais gamin. Je n'ai jamais entendu parler de ces groupes, je vis certainement. L'autre côté du miroir, j'adore Carole. Une VHS, une cassette. JS, 14 septembre 98. Mommy's really scared. Une armoire pour se planquer. De la colle, tu ferais mieux de la sniffer. Ça te fera pas de mal, pour où t'en es. Un lit de fille, mais il est couvert de poussière. J'espère que ces trucs d'obscurité, ça surviendra pas trop souvent. Les toilettes sont bouchées, mais je vois quelque chose là-dedans. Vas-y, plonge ta main. Non, on va utiliser la pince à barbecue. Ah, une poupée. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Le miroir est cassé. Bibliothèque bloque la porte. Là, j'entends des trucs, donc je vais pas rentrer. Fouillard. Non. C'est pas de la peur, c'est de la mise en garde. Ah, je dois la mettre où alors ? Choisir.
Est-ce que la poupée ne déplacerait pas le démon? Genre, là, le démon, je le mets dans les chiottes. Parce que ça, c'est les pièces de la maison. Hein. Il y a la cuisine, il y a le salon, il y a le bureau. Il y a la bibliothèque. Ça aussi, ça m'a fait peur. Salut, Mag. Là, c'est les toilettes d'à côté. Il y a la chambre de Julia, je pense. Et il y a le grenier. Je vais le mettre ici. Il est bien ce jeu. Il est terrifiant. Il est terrifiant. That's over. Just horrific. Ouais. Tout à fait. Du coup, la poupée, je l'ai mis dans cette pièce normalement. Ça fait quoi si je rentre? Ah non, c'est pas celle que je croyais. Je suis trompé. Ah oui, non, mais franchement, le jeu, il est angoissant. Je la mets là. Je pige pas trop le truc de la poupée. Mais il y a toujours des bruits flippants là derrière. Je veux pas rentrer moi. De toute façon, je crois que j'ai pas le choix. Hein. Sophie n'a pas survécu. Ok, donc c'est ce que ça donne. Voulez-vous changer le destin de Sophie? Si vous choisissez non, vous perdrez définitivement votre personnage.
Oui, on va lui changer son destin, pêcheur. Bon, on sait ce qui se passe si on rentre dans une musique, dans une pièce où on entend du bruit. Faut pas le faire. Bon alors, réfléchissons. Est-ce que je vais retourner dans la pièce là-haut? Enfin, là-haut. Celle où on a entendu les pleurs la première fois là. Il y a toujours des pleurs, donc on va pas rentrer. Là, le truc, c'est l'énigme de la poupée. Mais qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois comprendre avec cette énigme? Tu joues sur quelle machine? Je suis sur PC. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est sorti, le jeu. Je sais que je l'ai eu... en fait, je l'ai eu gratuitement avec Prime Video. Enfin, Prime Gaming. Mais je crois qu'il est sorti, je pense qu'il est sorti sur Play, sur Xbox. En fait, je sais pas ce que ça influence là où je mets la poupée. Bon, là, je l'ai mis dans la cuisine. On va aller voir dans la cuisine s'il y a quelque chose qui change. Pourquoi elle remonte? Quoi, j'ai un drift sur ma manette neuve déjà. Cuisine. Rien de nouveau là. Ah, mais il me faudrait une clé, mais je suis con, je l'ai la clé. C'est celle-là? Toujours pas de bruit? Bon, ça a l'air safe. Alors, je crois que... Ouais, il me semble que j'ai joué en mode facile. Parce qu'il me semble qu'en mode...
normal, les personnages, tu peux pas les... je pense que tu peux pas les ressusciter. Parce que j'avais lu un truc comme quoi tu as 5 ou 6 personnages, et en fait, les personnages, c'est tes vies. Quand j'étais plus petite, je grimpais dans les garde-robes vides comme celle-ci pour me cacher quand on jouait à cache-cache. Ouais, mais tu le fais toujours, même si tu les rentres maintenant. Oh ma chère. Pauvre perruche. Du bois de chauffage. Est-ce qu'il y avait une cheminée quelque part ? C'est comme Until Dawn. Non, non. Non, là on est plus dans le point and click quand même. Je parle pour les vies. Ah oui, d'accord, ok. Je saurais pas dire. J'ai du bois de chauffage, j'ai des allumettes. J'imagine qu'il faut que j'allume un feu quelque part. Mais j'ai pas vu de... de cheminée ou un truc comme ça. Ça me parle pas. Enfoiré de tourne-disque qui démarre tout seul. Là. Si, là, il y a une cheminée, ça y est. Elle est là, la cheminée. Il y a de la suie partout, je pourrais peut-être mettre le feu d'une manière ou d'une autre. Allez, c'est parti, on fait tout cramer. Tu vois, on en revient à ton idée principale, Jess. On brûle la maison. C'était une bonne idée, en fait. Utiliser. Les allumettes. J'imagine qu'il faudrait utiliser toutes les allumettes avant de pouvoir allumer un feu. De quoi ? Mais utilise-les, tes allumettes ! Qu'est-ce que je dois faire ? Il en reste beaucoup, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre, un anneau ? Ça, c'était quoi ? De la colle. À moins qu'avec la colle, je peux utiliser le... J'ai mis le bois de chauffage en place, il me faut quelque chose pour démarrer le feu. Bah utilise tes allumettes! Bon. Peut-être que l'histoire de la colle, c'est pour récupérer la clé qui est cassée. On va retourner là-haut.
Enfoiré. J'aime pas ce genre de truc. Ça, c'est même pas le screamer, mais rien que le fait qu'il y ait eu le fantôme, là, ça m'a donné des frissons. Alors j'imagine même pas quand il y a un screamer qui va te hurler en plein visage. Colle. Ça ne ferait que bloquer la porte. Ah, moi je voulais que tu mettes de la colle sur la clé pour la... Je ne peux pas ouvrir les portes avec des allumettes. Ben non, on ne sait jamais. La pièce endommagée sur l'anneau semble correspondre à la tige qui concerne la serrure. Pourrais-je les coller ensemble d'une certaine manière? Ah, d'accord. Donc je mets de la colle sur l'anneau. Voilà. Et ça, je l'utilise. C'est de la colle à prise rapide. Une arme. Non. Un crochet métallique extensible. Ces crochets permettent généralement d'atteindre une poignée distante. D'accord. Ah, pour le... Putain. Pour le grenier, peut-être. Yes. Cher Sébastien, tout s'effondre. Je ne sais pas ce qui arrive à mon téléphone, mais je n'arrive pas à te joindre. C'est la raison pour laquelle je t'envoie cette lettre. Ce faisant, je prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Sébastien, n'écoute pas la boîte à musique. Je répète, n'écoute pas cette boîte à musique. Il y a quelque chose de bizarre avec cette mélodie. Je l'entends encore et encore dans ma tête, pendant que je marche, quand je lis, pendant que je mange ou pendant mon sommeil. Même dans mes rêves, ça empire de plus en plus. Je me sens observé, Sébastien. Au début, ce n'est arrivé que lorsque dans mes rêves, mais dernièrement, je ressens également lorsque je suis éveillé. Bien qu'il me soit de plus en plus difficile de faire la différence ces jours-ci. Il y a quelque chose ici avec moi, une étrange présence. Dans les halls, derrière chaque porte à laquelle je tourne le dos. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux te dire à quel point je suis désolé, mon cher ami. Je maudis le jour où je t'ai envoyé cette boîte. Boîte, oui, c'est ça. Pas de papier, je ne ferais mieux de pas y toucher. Tu vas faire une crise cardiaque. J'aimerais pas. Non, moi non plus. Oh non. Hey, Julia, are you okay? Non, elle a pas l'air bien. What is this? Euh...
Moi, je vois une fille comme ça, avec un tel visage. Je me barre. Je fais « What the fuck ?» Allez, perdu, quel cadeau il s'agit? Changer le haïku. Garder un œil sur la porte dans la chambre de fumage, personne sans visage. Un ami perdu, quel cadeau s'agit-il? Combiné. Oh, c'est horrible. C'est presque pire que Madison. Madison, déjà, il me faisait bien flipper. Alors là, celui-là, il est pas mal aussi, hein, dans son style. Je pense qu'il y a des échafaudages à l'extérieur. Je pourrais y accéder en sortant par l'une des fenêtres. Un chevalet... Je me souviens de ce tableau, le pouvoir des mots de Marie Rouget. La date indiquée est celle du 14-1792. Ça doit être le code, ça aussi. Alors attends. Ça ressemble à au tableau qui était dans l'entrée. Alors je vais taper 14-1798. Voilà, ça c'est noté. Je souffre de vertige. Devrais-je sortir par cette fenêtre? Pas pour l'instant. Après, qu'est-ce qui me manquait? De toute façon, je vais pas avoir le choix, il va falloir y aller. Il me manquait leur adresse. Il manquait leur adresse. Le numéro de notre adresse municipale. C'est bizarre qu'on l'ait pas eu ça déjà. T'aurais pu marquer l'adresse sur ta lettre, toi. Je sais pas ce que c'est, ça, les haïkus. Une liste de poèmes. Ça doit être entre 1 et 9. Pas forcément, parce qu'il y avait 6 chiffres, je crois. Hein. Je sais plus. On verra. Bon. Devrais-je sortir par cette fenêtre? Allez, dehors. N'aie pas peur. Ah. Là, c'est pas une histoire de vertige, là. C'est... Petit texte où la personne a posé sa pensée du moment. Ah, d'accord, ok. Là, c'est pas... Là, c'est... Le vertige n'a rien à voir. Elle s'est juste cassée la gueule en glissant sur les tuiles, quoi. Quelle mort ridicule. Bon, je reviens là. Ah zut.
Donc tu peux mourir de façon assez bête quand même. Although I'm not sure if I should be relieved, to be honest. J'aurais pas cru, tu vois, qu'elle tomberait. Who? Hey, Julia? Are you okay? What? What is this? Là, je m'y attendais, j'ai pas eu peur. Where did she go? Bon, on va redescendre par là, du coup. Je me demande... Attends. Il y a peut-être dans l'entrée du courrier ou quelque chose qui dit l'adresse, le numéro. Je vais retourner directement à l'entrée. Non. 4. C'est ça, hein ? Il y a un gros 4 là. Bah du coup les flics ils vont débarquer. Ça va, c'est pas trop fort pour vos oreilles ? Over there, the hiding place. Oui, bah elle est là-bas, la cachette. Ça me fait penser, il y avait un film qui s'appelait le Peuple des Ténèbres, un vieux film des années 2000, un truc comme ça. Et ça me fait penser à ça, un petit peu l'obscurité, le côté un peu Burke, des ombres. Et les monstres, ça y ressemble un petit peu. Il était pas trop mal ce film. Avec le placard. Oui, je crois qu'il y avait un placard. Alors, c'était 4. Attends, c'était quoi l'énigme ? L'adresse, l'âge de Paul, la décennie et l'année à laquelle la toile accrochée à l'étage.
la décennie et l'année. Donc l'âge de Sol, c'est 7. Et la, la décennie, c'est 98 alors. 98. Encore une poupée. Par contre, je devrais arrêter de faire des jeux d'horreur le samedi. Hein. Parce que tenir 3 heures avec autant de stress, c'est pas évident. C'était pas la bonne pièce. Là, je me dis, ça fait que une heure et demie que je m'angoisse sur ce jeu. C'est pas bon pour mon cœur, ça. Mais ça me dit toujours pas ce que je dois en faire. Je dois les mettre toutes les deux ensemble, peut-être ? Ah, attends, c'est peut-être parce que je suis sorti par la mauvaise fenêtre aussi tout à l'heure. L'échafaudage, il est sur les fenêtres de droite. Moi, je suis sorti sur une des deux fenêtres de gauche. C'est peut-être ça l'histoire, en fait. On va essayer. On notera le... la superbe efficacité de cette bougie qui ne suce jamais. It's a good thing I'm not wearing high heels.
Ils sont quand même à... Non, ils sont pas trop hauts, ça va. Un télescope. On est où là? D'accord. I don't get it. I just don't get any of this. Là par contre, ça m'a pas proposé d'écouter aux portes s'il y avait du bruit ou pas. Reviens s'il te plaît, nous ne pouvons pas quitter la maison. Le lit est recouvert de poussière. Je dois y aller. Bonne fin d'après-midi. Bonne après-midi, Jess. Merci pour d'être resté. Je te dis à demain pour Blossom Tales si ça t'intéresse. Cette table a la taille idéale pour se cacher en dessous. C'est bon à savoir. Encore une poupée. Je pense que quelqu'un lui a cousu un bonnet de douche. Ah, d'accord. Donc il faut analyser les poupées et les mettre au bon endroit. Pas de bruit. Ils ont beaucoup de toilettes dans cette famille. Sébastien, j'ai encore reçu la boîte. Je n'ose même pas la regarder. Cependant, j'entends toujours sa musique. Est-ce que quelque chose a changé après que tu m'aies rendu la boîte? Te sens-tu mieux? Si oui, peut-être devrais-je faire pareil, ne penses-tu pas? Je devrais essayer d'en retrouver le propriétaire précédent, si c'est encore possible. As-tu découvert quelque chose? S'il te plaît, dis-le-moi. Je n'arrive pas à dormir ni à rester éveillé. Je sens une présence. Il y a quelque chose ici avec moi. J'ai vu, Mag, que tu avais acheté Two Point Campus. Mais il est pas sur... T'aurais peut-être pu le faire gratuit. Je crois qu'il est sur le Game Pass, non? What is happening? I have to keep moving. Come on. Il fait froid d'un coup. Alors, seul avec sa salle de bain, son bonnet de bain ici. Celui-là, mais il a quoi celui-là de particulier? Je piche pas. Non, c'est que j'ai plus la description des poupées. Oui, mais il est temporairement sur Game Pass, mais comme j'ai déjà Two Point Hospital sur Switch, j'ai préféré le prendre aussi sur Switch. Celui-ci, je l'ai eu pour une bouchée de pain. D'accord. Ah ouais? Comment je fais pour savoir où je dois les mettre, les poupées?
Là, l'énigme des poupées, franchement, je la piche pas. J'ai pas trouvé la première lettre. Je l'ai, j'avais téléchargé Two Point Hospital pour voir. J'ai pas beaucoup joué, mais j'ai pas trop accroché en vrai. Je crois que je suis un peu bête. C'était celle-là là. Elle est fermée, mais je peux utiliser la clé. Je n'ai plus besoin de cette clé, d'accord. Oh putain. Mince! J'ai pas compris ce que je devais faire. Pourquoi je pouvais pas ouvrir la porte? Je reviens dans un instant, ça va aller. Va pas mourir d'angoisse. Non, je devrais survivre. Bon, je voulais tester une autre porte. je réfléchirai à celle-là plus tard. Pourquoi j'ai pas pu ouvrir la porte? Je pensais que je pouvais me cacher sous la table. J'ai vu qu'il y avait une table, mais j'ai pas pu me cacher dessous. Mais là, ça doit être cette clé-là, peut-être. Utiliser. Non, c'est pas la bonne clé. C'est pas la bonne clé. Donc c'est bien là-haut que je dois aller. Clé de Macha. Qu'est-ce que ça... De toute façon, j'ai pas grand-chose. J'ai une boîte d'allumettes. J'ai mes bougies.
Porte-bonheur. Donc c'est bien là-haut que je dois faire un truc, mais il faut que je comprenne ce que je dois faire. Pourquoi la porte était verrouillée? Qu'est-ce que je peux faire pour l'ouvrir? Je dois la bloquer. Ah oui, d'accord, c'est vrai. J'avais oublié cette technique. C'est clair. Au moins, il est pas insistant, le démon. Il y a un livre, mais il est couvert de poussière. Des disques, encore une poupée. Avec une fleur dans les cheveux. Est-elle heureuse ou affamée? Elle est peut-être affamée, donc je dois la mettre dans la... Dans la cuisine, dans la salle à manger. Ça devait être les domestiques peut-être. Une valise pleine, une valise vide. Il n'y avait pas un truc là? Ah. Le quartier est calme, voire désert. Ok. C'est bon, j'ai pu passer la porte. Donc j'ai une poupée de plus. Est-ce que... Il reste que la pièce où il y a les deux gamins là. Ils m'ont tué la première fois. À part ça, j'ai tout exploré, j'ai l'impression. Ah non, il y a l'histoire du salon. Il y a l'énigme du salon que je n'ai pas faite encore. Thank you.
avec l'histoire des allumettes. Un drôle de bruit derrière moi et c'est pas le chat. Je suis angoissé là. J'imagine qu'il me faudrait utiliser toutes les allumettes avant de pouvoir allumer un feu. Mais qu'est-ce que je dois... Comment je les utilise alors, les allumettes ? Utiliser moi, mais sur quoi? Ah non, c'est-à-dire que si elle veut allumer un feu, elle va devoir totalement les utiliser. Et en fait, il manque quelque chose. Il faut quelque chose pour démarrer le feu, genre du papier ou... Ok. Le papier, c'est pas ce qui manque ici, hein. Ça et les domestiques, la pièce des domestiques. Pourquoi je peux pas rentrer dans la pièce des domestiques?
Là, ça me disait... C'est verrouillé de l'intérieur, donc il faut faire le tour. Maintenant c'est ouvert. Tout à l'heure c'était fermé, maintenant c'est ouvert. Juste parce que j'ai... Je comprends pas. Là c'est pas logique. Tout ce que j'ai fait en fait c'est écouter le truc des domestiques. Bref. C'est pas grave. Alexander, j'aurais tant souhaité que tu n'aies jamais trouvé cette note. J'ai quitté la maison, ou du moins j'ai essayé. Je prie pour que ce ne soit pas la dernière fois que je te donne de mes nouvelles. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Madame Catherine, ni les enfants. Je les entends parfois pleurer à l'étage, mais sans jamais pouvoir les trouver. Ils semblent toujours se trouver dans la pièce d'à côté, même si cette pièce n'existe pas. Et on ne l'a revu plus jamais. il y a quelque chose d'horrible ici avec nous, quelque chose que je ne peux pas décrire. J'ose à peine quitter notre chambre désormais. Je dois m'en aller avant qu'il soit trop tard. Je t'aime, Masha. C'est la clé de tout à l'heure. Donc là, j'ai un placard, je peux me planquer. C'est bon à savoir quand je vais prendre la poupée. Elle a un joli petit nez, c'est bien. Non, pas de... Un miroir qui est pas brisé, c'est rare, vu qu'ils sont tous pétés dans la maison. Des bouteilles de somnifères. J'entends rien. Du diluant. L'idée de mettre les dents est aussi attrayante que d'avoir des jambes brisées. Est-ce nécessaire? Tu crois qu'il y a un zombie si j'enlève la bombe? Ah. Encore? Je suis mort souvent, hein? Aujourd'hui, trop souvent. Si j'avais pris l'option avec les vies limitées, à mon avis, j'aurais dû recommencer le jeu depuis le début.
En plus, le jeu, il donne pas le choix de t'en sortir. Là, tu fais le choix, soit c'est le bon, soit c'est le mauvais. C'est un peu radical. Alors attends, qu'est-ce que je peux faire avec le solvant? Est-ce que tu crois que je peux allumer du feu avec? C'est inflammable, le solvant. Allez! On va tout faire cramer! Cet ammoniaque me fait pleurer. Et j'ai gagné quoi là, à part d'avoir allumé le feu? Je sais pas si c'est une bonne cachette, mais... Ferme les yeux, ça va passer. Waouh, fuis. Mais moi, je serais parti de la maison il y a longtemps déjà. That's over. Just horrific. Tout à fait. Mais je sais toujours pas pourquoi j'ai allumé le feu. Heureusement que je me suis souvenu qu'il y avait une cachette dans la cuisine. Pas la bonne porte. J'en ai 5 et j'ai combien de pièces? Ah non, j'ai beaucoup plus de pièces que de poupées encore. C'est laquelle qui avait l'air d'avoir faim, je sais plus. Tu t'en dis qu'il se passe quoi? Je ne suis pas sûr d'avoir un plan si je fais tout ça pour revivre le bon vieux temps. Il me faudrait un plan, mais... Mais j'en ai aucune idée, moi. En tout cas, apparemment, j'ai toutes les poupées qu'il faut maintenant.
La question, c'est où vont-elles? Là, je suis coincé, je sais pas quoi faire. Je sais pas où est l'indice, j'ai pas pigé le truc. Ah, les poupées, je les ai sur moi, c'est bon. Je les avais plus tout à l'heure. On va relire tout ça alors. Alors, la poupée verte. Lire les contes de fées. Donc celle-là, elle va dans la bibliothèque. Quelle chose horrible et déjà agréable. La pauvre est toute rapiécée. Celle-là, j'imagine qu'elle va au grenier. Celle-là, elle est affamée. La rose, la rouge, elle est affamée. Donc la cuisine. La bleue, elle a un bonnet de douche, donc c'est la salle de bain. Et la orange, elle a un petit, elle a un joli petit nez. Super, ça m'indique bien où elle doit être. La verte, bibliothèque. Elle aime lire. La bleue, salle de bain. Celle-là, la cuisine. Salle à... elle aime manger. Elle est dans la salle à manger ou dans la cuisine? Elle, peut-être dans la chambre. Et lui au grenier. Bon indice, hein. Thank you.
train. Oui, on peut les inverser, d'accord. Elle a un joli petit nez. Celles qui sont bonnes, ils pourraient les laisser là où j'imagine. Je suis sûr que c'est de là, c'est sûr. Bon, celle-là, je vais la mettre ici alors, pour changer. Et lui, je suis quasiment sûr qu'il est au grenier. C'est compliqué, hein. Qu'est-ce qu'ils ont pu vouloir dire, les créateurs? Quelle chose horrible et désagréable. En quoi l'indice est censé m'aider, franchement? Ah oui, c'était ça les difficultés. Là, tu vois. Le état of mind. En plus, difficulté, tu sais pas ce que c'est, les. Juste l'histoire. Ah oui, moi j'ai choisi juste l'histoire. Le état of mind, mode équivalent aux difficultés à Mr. M. James avec une mise en garde. Lorsque vous perdez un personnage, vous pouvez choisir de charger le dernier point de contrôle, d'accord. Avant de choisir O.T. Hoffman, il est recommandé d'avoir essayé Edgar Allan Poe ou Mr. James. Dans ce monde, il y a moins de dangers que dans Edgar Allan Poe, et en outre, ceux que vous affrontez seront plus faciles à surmonter. Niveau normal, niveau difficile, pas d'apprentissage progressif, pas de pitié, la présence... va vous honorer avec toute attention dès le départ et vous allez expérimenter le plus grand des dangers. Ouais, j'ai bien fait de choisir la difficulté facile. On peut pas changer la langue? Mince. Là, ici. Continuer. Après, peut-être que celle qui lit, elle lit dans la chambre. Enfin, pour moi, la lecture, c'est la bibliothèque.
que ça, c'est le salon. C'est compliqué. Je suis pas sûr d'avoir un plan. Non, je n'ai aucun plan, hein. Je fais tout au hasard. Là, il y a toujours les bruits, donc c'est pas là. Là, je sais plus ce qu'il y avait. Ah oui, les toilettes. On s'en fiche. Il n'y a rien qui m'aide là. Faire un tour sur internet. Hein. Tant pis, on va tricher. La poupée noire se place en bas à gauche dans le salon. Pourquoi ? Pourquoi là ? Quelle est la raison ?
joues rouges dans la cuisine, bonnet de bain dans la baignoire, avec les lunettes dans la bibliothèque. Pourquoi elle se place dans le salon ? Il n'y a aucune logique. Je crois que j'en ai inversé deux, attends. Celle-là, c'est celle qui a faim. Hein. Là, tu vois, c'est le truc que tu piches pas. Pourquoi c'est comme ça ? Quelle raison ? Il y avait une énigme au tout début, il y avait une énigme avec des fusibles qui était pareil, hyper. Pas du tout logique. Enfin, je sais pas. Une clé. Mais j'ai pas vu de porte fermée à aucune part, moi. Toujours pas par ici. À part la chambre, il n'y a plus de porte de fermée là. Salle de jeu, WC, WC... Il y a beaucoup de WC, hein. Cuisine, salle à manger... J'ai aucune idée d'où je dois aller. Peut-être une serrure qui est apparue là où il y avait le feu qui s'est allumé. Là où j'ai allumé le feu, je sais pas. Qu'il faut... Attends, j'ai peut-être une idée. Mais ce c'est ça. My God, what is that thing? Je
suis sans voix. Aidez-nous, sauvez-nous, nous sommes maudits. Un morceau de papier décoloré, il est mystérieusement apparu dans le manoir Rusher. C'est un rapport avec les poupées ? Oh putain, je rêve. J'ai vu le logo écouter à la porte et j'ai appuyé sur A. Au lieu d'écouter. Parce qu'en fait, au tout début du jeu, il y a un personnage qui a disparu dans cette pièce. Et quand j'ai eu la clé, je me suis dit, ah, c'est peut-être la clé de la pièce dans laquelle il est rentré là. Et voilà. My God, what is that thing? Yes. Surtout qu'on voit qu'il y a un truc bizarre à la fenêtre en plus. Par contre, du coup, faut peut-être que je visite les pièces où j'ai mis les poupées. Donc, il y avait ça, il y avait la cuisine. Toujours se méfier avant d'ouvrir une porte, en fait. Ah d'accord, ok. Je l'avais pas vu. Je suis sans voix. Et de nous, nous sommes hostiles, liés à servir son désir. Il y avait quoi d'autre comme pièce? Il y avait la bibliothèque. Oui, il y avait la bibliothèque. Il y avait une salle de bain. Et le dernier, j'ai oublié. Le salon. Ah si, le salon, j'y étais tout à l'heure. Je l'ai pas vu. C'est ça le salon, hein? Il y en a un autre? Ah, le bureau là-haut peut-être. Non, c'est pas là la bibliothèque? Tourner là-haut. Bon, je retire ce que j'ai dit sur les énigmes logiques de tout à l'heure. Hein. Il y en a qui sont pas trop logiques quand même. Ah, il y a une trace noire qui est apparue au sol, là.
Ah, du coup, ils ont peut-être quitté la chambre. Non. Je crois que le bureau c'est là. Hein. On va... Ah, il n'y a plus la trace. c'est bizarre hein, tout ça. Ah, là il y a un cadavre. Aidez-nous à arriver à nous en sortir. La douche, je crois savoir où elle est. Ah non, c'est pas celle-là. Quand je passe devant cette... Quand je suis dans cette pièce-là, il y a son cœur qui bat, il y a la manette qui vibre. Elle est un peu angoissée. Hein. Un indice peut-être? Je sais pas. Ah, attends, j'ai fait la cuisine. J'ai fait la salle à manger. J'ai fait le salon. Il reste une salle de bain et une bibliothèque ou un bureau. Attends. Y a une salle de bain. C'est pas la salle de bain où je me suis fait tuer là tout à l'heure? Et des WC, il y en a beaucoup. Hein. Chambre principale. Et là, c'est safe maintenant. Ah. Jeter le sombre dans le feu. Donc je crois savoir à quoi va servir le feu. Salle de bain. Il nous manque une bibliothèque. Non. Un salon. J'ai vu que dans le salon, il y avait une... Enfin, dans la... Dans la maison de poupée, il y avait une pièce avec... Sale bête.
poor bird. Probably died instantly. Il y avait une pièce avec un cerf, enfin une tête de cerf, donc je pense que c'est là où j'ai allumé le feu. C'est de pire en pire l'ambiance ici, hein. Il n'y a pas de cadavre là. S'il y en a un, je le vois pas. Jeter le sombre dans le feu. C'est quoi le sombre? Et c'est quoi cette clé? Elle semble déplacée même pour cette maison. Donc elle est peut-être pas de cette maison. Oui, c'est, il y avait ça là-haut. Ah mais attends. Ah non, j'ai rêvé. Tu es perdu complètement. Je suis complètement paumé. Je cherche un cadavre dans un salon. Mais quel salon? Là, je suis dans un salon, mais il n'y a pas de cadavre là. Réfléchis. On va retourner à la maison de poupée. À moins que ce soit, je peux retourner là. C'est pas là. Je suis pas sûr à 100% de ce que je cherche. C'est lui qui me manque. Pourquoi ça me propose de le prendre maintenant? Il y a quelque chose d'étrange avec cette horrible poupée, je la prends avec moi. Ah, d'accord, je prends la poupée et c'est elle qu'il faut que je jette au feu.
existe. Prouve que tu existes. God damn it, that was close. Adieu. The fire was definitely the best place for that hideous thing. Et donc, je suis avancé à quelque chose là. Ah là, ça s'est réouvert. Et la porte est réapparue. Alors la personne qui a disparu au tout début du jeu, qu'elle est en train de rechercher, a disparu après avoir ouvert cette porte. Ailleurs, il n'y a pas de carte, je suis ailleurs. Oh my god, Daniel! Help! Someone help us, please! C'est que maintenant qu'elle demande de l'aide. Et on ne la revit plus jamais. They finally found me. I was feverish, dehydrated, and terrified, but alive. I don't remember much about the ride to the hospital, but I did mumble a few questions about the music box. I had heard it. The endless, grim song it played wouldn't stop. On vous entendra pas crier. I would even swear I'd seen it there on the table. The side of the mirror? No. No. Impossible. There was no box. It was just a hallucination. A mirage. I needed to rest. That was all. Just rest. Il est pas prêt de s'en sortir, lui, je crois. Ça, je m'en doutais, donc j'ai pas eu peur. C'était juste l'épisode 1. Maintenant, il y a l'épisode 2. Bon, allez, on le commence, il reste 20 minutes. Il y a combien d'épisodes ? Préambule, manoir rusher, étrangement calme. Alors, tu vois, je disais que j'avais 5 vies. Non, il n'y en a que 4 en fait. Tu as 4 personnages. Il y en a 4, mais là, c'est pas les mêmes. Erika. Bon, on va voir. Donc, il a l'air assez long, je crois. Je sais pas combien il y a d'épisodes, mais. Là, les 3 heures. Allez, j'ai dû faire 3 heures et demie, ça fait juste un épisode.
dans l'épisode précédent. C'est cool et rare pour ce type de jeu. C'est vrai, hein? Well, well. It appears as though the Prince of Slumber will be granting us an audience. How are you feeling, Your Highness? Ugh, my head. I had a dream. I'm okay. Thanks for coming, Lydia. You had us all on tender hooks. When I found you... My God, Daniel. I'm glad to see you awake. So, I'm better. I'm fine. By the way, I found a note at the Hersher house. It... Daniel, the doctor said you need complete rest. Complete. I'm fine, really. I found this. Apparently, Hersher received a music box from an acquaintance of his, a certain Mr. Farber. It seems as though he was researching the music box when he vanished. And from what Farber says, the music box may be related to everything that has happened. I'm not sure we should stick our nose into this business, after everything that's occurred. She may be right, Daniel. I'm sure the police are very close to finding out where Hersher is. Do you think the police would have found me? We need to find Hersher. I saw the box that Farber describes in this letter, but it wasn't really there. It was as if it were on the other side of... Oh. I think we should pay a visit to this Farber, and ask him about the music box and Hersher. He has a shop in the city, not far from here. Daniel, please. I'm fine, really. I think going to a shop and asking the owner a few questions falls within the range of what we can do, don't you? Mais est-ce qu'on va le retrouver, ce propriétaire? Et j'imagine qu'on va continuer à être poursuivi par les démons. Alors... Ah d'accord, et en fait les personnages, ils ont différentes caractéristiques. Donc elle apparemment elle est moyenne, elle a une bonne vitesse, elle est assez discrète, elle est assez forte, et niveau sérénité ça va. Elle est rapide et très sereine, mais elle n'est pas discrète et elle a pas de force. Lui, il est rapide et fort, mais il n'est pas très discret. J'imagine que la discrétion, c'est ce qui fait en sorte que les démons rentrent plus vite dans les pièces. Et lui, il est parfaitement équilibré. On va prendre lui. L'histoire de Daniel doit continuer. Si vous le perdez, vous devrez redémarrer l'épisode. Oui, mais de toute façon, j'ai la sauvegarde. J'ai le mode facile. Donc ça va. C'est peut-être pour ça qu'il est moyen. C'est parce que c'est lui qui meurt en premier. C'est fait, lui, faut pas qu'il meure, quoi. En fait, tous les autres, c'était Joker. Bon, et puis ça va changer un petit peu. Un mois après les événements de Raccoon City. Est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. Bon, lui, il a une vraie lampe au moins. C'est mieux déjà. Il y a un verrou. Faites le verrou. Ah. Je parie qu'il y a une clé sous le pot de fleurs. Non? Ah.
Bon, mais je suis déjà coincé à l'entrée du... du truc. Je ne peux pas partir. D'accord. Ah, ben voilà. Un classique. Hello. Is that somebody here? C'est étrangement calme. Ça, c'est bizarre. Nobody appears to be around. I wonder whether this Faber guy is anywhere nearby. Un cintre en fil de fer. Ça peut toujours être pratique pour crocheter une serrure. Une machine à prédiction. Je crois que si on met une pièce, elle lira le futur ou un truc comme ça. Je me demande quel futur ça va lui lire. C'est bien, ça change l'ambiance. On n'est plus dans le manoir. C'est. J'en avais marre du manoir. Je ne la trouve pas. Je ne me souviens pas où j'ai mis cette putain de boîte à musique. Je croyais que je l'avais laissée dans le reste du lot, ou pas. Oui, autrement, où peut-elle être? Dans ce lot, il y avait une garde-robe avec des taches de sang. On l'a mise dans la cour et on l'a traînée jusqu'à l'une de nos salles de stockage dans la cave. Mais dans laquelle l'a-t-on mise? Je ne me souviens pas de sa forme ni de sa couleur. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourrais-je révéler le sang laissé derrière moi? Je vais devoir acheter du luminol, pas vrai? C'est ce que la police utilise. Peut-être que de cette façon, je pourrais trouver le lot de produits qui contient la garde-robe et la boîte qui va avec. Sébastien dit que je dois la rendre à ses propriétaires, la famille Legrand Hansberg. Si j'y parviens, est-ce que cette folie s'arrêtera? C'est sympa qu'il varie. Ouais. Reçu pour l'achat de plusieurs lots d'antiquités par la boutique Faber et Fils, ainsi que l'adresse du propriétaire initial de ces lots. L'un d'eux est marqué des lettres, des meubles anciens, une boîte à musique vente aux enchères de Legrand Hansberg. Une télécommande électrique. Il y a un emplacement pour mettre quelque chose dedans. Ça a l'air safe. Là aussi. Mais c'est verrouillé. Et pourquoi ce genre de truc? Je comprends pas pourquoi les gens ils sont toujours tout seuls. Moi j'aurais dit à quelqu'un, ouais je fais un truc super flippant, tu peux venir avec moi s'il te plaît? Je sais pas. C'est verrouillé. Bon. Là les deux portes sont verrouillées. C'est mieux seul, bah oui. Cadenas sur ce tiroir semble un peu exagéré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur.
On dirait une armure japonaise. Il y a quelque chose dans sa bouche. Il y a quelque chose dans la bouche de l'armure. Est-ce que je dois le prendre? Ça va, il est pas mort. C'est assez gros et plus lourd que je le pensais. En vrai, j'essaie de jouer comme si je savais que j'avais pas les vies illimitées, quand même. Cette table serait l'endroit parfait pour se cacher en dessous, c'est noté. Il y a plusieurs petites énigmes que j'ai ratées. Ah oui, là c'était le... Ah, j'ai eu une pièce. C'est peut-être là qu'il faut mettre la pièce. Vous avez oublié quelque chose ? Souvenez-vous-en et vous en serez béni. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais essayer de me souvenir de ce skex de plongée. Je pense que je rentrerai sous cette table. Galerie fermée pour entrer, demander au comptoir. Je me demande si je sais encore y jouer. Je préfère ne pas essayer, l'alcool nuit vraiment à la mémoire. Ah, tu es un alcoolique notoire ? Une longue vue. Un canon. J'aime bien les magasins d'antiquités. Il y a de ces trucs dedans. Il y a de ces trésors. Une boîte à musique. Une boîte à surprise. Ça, par contre, je déteste. Un fusil. Bon, après, les fantômes, ça craint pas les balles. Hein. Des miroirs cassés, des toilettes, safe. Un flacon plus à terre. Il n'y a rien dedans. Ah, il y a une porte là en bas. Heureusement qu'il y a le plan parce que franchement, il y a des fois des portes, tu les vois pas. C'est bizarre ce truc qui bouge là. Des boîtes remplies de papier. Ah, il y avait une lettre. Reviens, reviens, reviens.
Cher Isaac, je suis navré d'apprendre vos problèmes d'insomnie. Si ça peut vous consoler, j'ai moi-même souffert du même mal récemment. Peut-être à cause de la relecture permanente de mon roman. Si la qualité pouvait être mesurée en temps investi, cela devrait être une des meilleures œuvres. Mais je me doute que ce soit le cas. Malgré tout, j'ai trouvé un peu de temps pour examiner votre mystérieuse boîte à musique. D'après la sculpture et le bois, je suis certain qu'elle provient d'Europe. Elle doit dater de la fin des années 90 ou début du 20e siècle. Donc fin 90, mais 1990. J'ai aussi remarqué son époque incroyable, son incroyable qualité. C'était peut-être un objet de luxe à cette époque. Je vais continuer mes recherches. Bon rétablissement. Bon, on n'a pas grand-chose hein, pour le moment. On a des portes fermées. Et on a... On a une clé épaisse. J'ai pas pensé à essayer les clés sur les portes. Ah mais là je peux peut-être rentrer quand même. Ça n'a pas une serrure traditionnelle. J'ai pas vérifié si les portes étaient fermées à clé. Si, en bas il y a une clé là. De toute façon, on va s'arrêter, c'est l'heure. Donc, suite de l'aventure, samedi prochain. Et sinon, ben, le prochain stream, ce sera dimanche, demain, à 20h, pour la suite de Blossom Tales. En effet, bon goûter et bonne fin d'après-midi. Moi, j'ai rien à goûter. J'ai pas... Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai des compotes de pommes. Ça va être soft. Bref, Mag, merci d'être passé. Je te dis rendez-vous demain, si ça t'intéresse. Sinon, bah écoute, bon week-end. Profite bien de ta peluche. Et à demain. Ciao, ciao. Bon week-end, ouais.